Bon, eh bien, tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. En vous souhaitant qu'elle soit la meilleure possible. Je ne vais pas vous souhaiter bonheur, fortune. On n'y croit plus beaucoup aujourd'hui. En tout cas, la santé, pour pouvoir supporter tout ce qu'on nous impose. Donc, voilà. Et mes vœux pour vous, qui êtes là présents, et puis pour ceux qui écouteront plus tard cette conférence sur Internet. Où je vois d'ailleurs avec plaisir le nombre de vues qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc, c'est évident qu'on a de plus en plus d'impact, non seulement en France, mais à l'étranger aussi. Donc, je suppose que le titre de cette conférence d'aujourd'hui vous a attiré. Et il y a énormément de choses à dire. Et comme vous le savez, je procède toujours par citation. En fait, je ne parle pas moi-même, je fais parler les autres. Et je vous recommande cette méthode pour tous ceux qui voudraient dans leur coin, dans leur orbite, aussi essayer de participer à ce combat d'information. Vous ne faites pas de déclaration qui vient de vous-même. Vous n'allez pas dire « un tel c'est ceci, un tel c'est cela ». Vous démontrez ce qu'est la personne par ses propres textes. C'est absolument imparable. Imparable d'abord parce qu'on ne peut pas le nier. L'interlocuteur que vous avez ne peut pas le nier. Et en plus de ça, on ne peut pas vous accuser de dire n'importe quoi. Puisque c'est référencé. Donc vous voyez, c'est une méthode qui est imparable. Et qui explique, il n'y a pas de bois ici, sauf ma tête, que pour l'instant, à part une ou deux alertes, je n'ai pas eu de problème avec la justice. Pourvu que ça dure, comme on dit, comme disait quelqu'un, ça n'a pas duré pour elle, ni pour son fils. Vous voyez à qui je fais allusion ? Ben, la mère de Bonaparte, Madame Laetitia. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à avoir un espace de liberté, de parole, et donc on en profite tant qu'on peut. Donc, je vais attaquer le sujet de cette conférence. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la politique, ça va leur dire quelque chose. Pour les autres, bon, de toute façon, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais commencer par signaler que dans le numéro 247 de janvier dernier, sous le titre « Transhumanisme et mondialisme messianique », j'avais attiré l'attention sur une analyse d'un certain Yuval Noah Harari. Intellectuel israélien, une sorte de clone de Jacques Attali, né en 1976 de parents libanais séfarades. Enseignant à l'Université hébraïque de Jérusalem, comme souvent parmi les 10 intellectuels juifs, il est homosexuel. Marié avec son manager, Itzik Yahab. Cette petite note pour le définir déjà une partie de son profil. Alors, surtout ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est qu'il est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, publié chez Albin Michel en 2015, et de Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, aussi chez Albin Michel en 2017. Il y diffusait une bien curieuse thèse avec l'appui de tout le gratin politiquement correct. D'où les flagorneries dont il est l'objet, révélatrice de ses appuis médiatiques, communautaires, dont, par exemple, pour Le Point, je cite, «
il serait le penseur le plus important du monde. Pour The Economist, il serait le premier vrai intellectuel global du XXIe siècle. Global étant entendu, bien entendu, dans le sens mondialiste. Pour la 5, à l'émission La Grande Librairie, il serait, je cite, « l'intellectuel le plus influent d'aujourd'hui ». Quant à 20 minutes, je cite, « les grands de ce monde ne parlent que de lui ». Et en effet, qui se ressemble s'assemble, ses travaux sont portés au nu par Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates, qui a écrit d'ailleurs un article fort élogieux sur lui dans le New York Times, et il a été reçu par les décideurs tels que Angela Merkel. Christine Lagarde. Emmanuel Macron, entre autres, qui se ressemblent, s'assemblent. Mais ce qui fait de lui le personnage particulièrement important et dangereux, c'est son influence sur le forum de Davos. Et notamment comme le plus proche conseiller de Klaus Schwab. Et c'est sans doute pourquoi Klaus Schwab, dans la ligne de Harari, lançait en 2020 cette déclaration « Les humains sont désormais des animaux piratables ». Phraseur prétentieux, les interventions de Harari tournent autour de quelques obsessions tels le piratage des humains, la surveillance des masses, leur contrôle. Ceci dit, il faut reconnaître que devant ces élucubrations, un certain nombre de personnes qui ont un certain poids scientifique et intellectuel réagissent, heureusement. Telle Evelyn Pfeiffer, dans Le Monde diplomatique, qui constatait, je cite, Harari a cherché à étayer les lieux communs propres à la conception du monde selon le libéralisme pour lequel tout est relatif. De son côté, Darshana Narayanan, spécialiste en neurosciences comportementales, déclarait à propos de Harari justement, que un examen attentif montre qu'il sacrifie à la science au profit du sensationnalisme, commet souvent de graves erreurs factuelles et présente comme certain ce qui n'est que spéculation. Les sources sur lesquelles il fonde ses déclarations sont obscures, car il fournit rarement les références adéquates et remarquablement avare de reconnaissance envers les penseurs qui ont formulé des idées qu'il présente comme les siennes. Encore un plagieur. Christopher Halpike, de son côté, spécialiste en anthropologie évolutionniste, met lui aussi en garde envers son utopie. Nous ne devrions pas juger Sapiens comme une contribution sérieuse à la connaissance, mais comme de l'infodivertissement. Un événement éditorial visant à titiller ses lecteurs par une folle promenade intellectuelle à travers le paysage de l'histoire parsemé de spéculations sensationnelles, et se terminant par des prédictions à glacer le sang sur le destin de l'humanité. Tout est dit, il n'y a rien à rajouter envers cet inquiétant affabulateur.
Yuval Noah Harari se révèle ainsi comme un faiseur de système. Une espèce de pape du transhumanisme et l'instigateur d'un plan visant à établir un nouvel ordre mondial, car c'est bien de cela qu'il s'agit à travers ses écrits. Et comme on pouvait s'y attendre, devant les critiques moqueuses dont Harari est l'objet, Conspiracy Watch volait à son secours et dénonçait le complotisme dont ce malheureux Harari serait victime. Alors venons-en maintenant aux thèses que déjà je dénonçais en janvier 2023 dans la politique. Pour Harari, je cite, « Le libre arbitre qui sous-tend la liberté individuelle est un mythe. » Et il prétend qu'une intelligence artificielle doit prendre le contrôle du cerveau humain. C'est la l'une des toutes premières allusions au projet déshumanisant de l'intelligence artificielle, dont nous verrons plus loin l'utilisation qu'il compte en faire. On trouvait là, d'ailleurs, la déshumanisation au travers du transhumanisme cher à son coreligionnaire Jacques Attali. Cette utopie aboutit au piratage de l'humain, entre guillemets, de sa volonté, de son intelligence personnelle, au travers d'une intelligence artificielle globalisée, sous le contrôle d'une élite mondialiste messianique, qui, dans la paranoïa qui anime ses adeptes, doit conduire le monde. C'est-à-dire la dictature mondiale, d'où cette autre déclaration de Harari, je cite, « Aujourd'hui, nous avons la technologie pour pirater les êtres humains à grande échelle. Pour réussir à pirater les humains, vous avez besoin de deux choses, une bonne compréhension de la biologie et beaucoup de puissance de calcul. » Grâce au piratage des humains, des entreprises, des gouvernements peuvent désormais dicter leur volonté. N'est-ce pas ce que nous vivons? C'était déjà ce que les dix pouvoirs démocratiques occidentaux font par leurs médias, qui orientent le vote du citoyen. Mais apparemment, à leurs yeux, et c'est intéressant à noter, ça ne le semble plus suffisant. Et Harari poursuivait. Et ce n'est que le début. L'humain piraté par une intelligence artificielle lui dictera les choix qu'il fera. C'est l'avenir de l'humanité. Et cependant, émergeant un moment de son utopie, son délire, il s'inquiète. Je cite, « Comment certains peuvent-ils refuser cette évolution merveilleuse ? Au lieu d'explorer ce qui nous attend au-delà de l'illusion du libre arbitre, des gens se retirent maintenant pour trouver refuge dans des fanatismes religieux et nationalistes. » Tremblez, tremblez, tremblez. Fantasmes religieux et nationalistes. Voilà ce qui lui fait peur. Mais c'était déjà la crainte d'un certain Adam Weishaupt, vous savez, ce juif soi-disant converti, au XVIIIe siècle, fondateur des Illuminés de Bavière.
qui avait créé, et ça c'est une chose que beaucoup de gens méconnaissent et ne comprennent pas, qui avait créé le terme nationaliste. Pourquoi ? Mais pour désigner ce qui était pour eux l'ennemi à leur démarche mondialiste, déjà de l'époque. Donc ça c'est une notion qu'il faut bien intégrer pour ne pas se tromper sur le sens du mondialisme. Et c'était aussi la crainte d'un autre spécialiste en la matière, un certain George Soros. Et c'est curieux comme on retrouve toujours dans cette obsession, dans cette haine du nationalisme, toujours des mêmes représentants d'une certaine communauté. Ainsi, tous ces mondialistes travaillent à leur objectif final, la fin de la vie privée et le contrôle des populations, comme doctement ce cher Harari nous l'annonçait. Et le pire, c'est qu'il disait, il annonçait, je cite, les hommes seront même volontaires pour sacrifier leur vie privée sur l'autel de leur sécurité. N'est-ce pas ce que l'on a vu avec cette acceptation de moutons, avec la dictature vaccinale que nous a imposée Emmanuel Macron, avec d'autres coreligionnaires dans le monde? On en a eu la parfaite application, parce qu'Harari annonce. Et à ce propos-là, je voudrais rappeler certains chiffres que vous pouvez tous trouver sur Internet, puisque je les ai trouvés moi-même sur Internet. C'est une étude qui date du 17 septembre 2023, de Correlation Research in the Public Interest, qui met en lumière que les vaccins prétendument actifs contre le Covid-19 ont été responsables de 17 millions de morts dans le monde. 17 millions dans le monde. Et notamment chez ceux qui ont subi une troisième et quatrième vaccination. Quant à Stephanie Snell, du Massachusetts Institute of Technology, elle déclarait dans The Epoch Times « Il est particulièrement inquiétant que ces auteurs aient trouvé des données montrant un rapport flagrant entre les vaccinations et la mortalité des vaccinés, estimée à 1 pour 800. » Et elle confirme que ses propres investigations l'avaient amené à constater, je cite, « l'extrême toxicité des injections qui n'auraient pas dû être autorisées par les agences de contrôle, c'est-à-dire par les États qui ont poussé dictatorialement à la vaccination, dont en France. » Voilà à quoi aboutit la manipulation des peuples. Il en découle qu'Emmanuel Macron, les Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Olivier Véran et les médias qui ont orchestré la panique sanitaire pour imposer la vaccination sont non seulement des menteurs, mais surtout des criminels vu les dommages engendrés par les vaccins.
prouvé par les différentes statistiques publiées dans les pays les plus vaccinés, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et Israël. Et c'est pour ça que j'accuse Macron et son entourage d'être des criminels, ou si vous préférez, des assassins, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ces statistiques. Elles sont connues de tout le monde. Et d'autant plus qu'aujourd'hui encore, ne tenant aucun compte de ces statistiques mondiales qui démontrent la nocivité des vaccins à ARN messager, les Français continuent à être incités à se faire vacciner par le ministère de la Santé. J'ai moi-même reçu, comme tant d'autres, une invitation à ne pas oublier de me faire vacciner. Rassurez-vous, je n'ai eu ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième touche. Donc, de grâce, sur cet aspect-là, mettez en garde votre entourage. Ils ne sont pas victimes de cette politique de dépopulation qui est en cours. Et je voudrais faire un petit rappel à ce sujet-là, d'ailleurs, parce que vous savez, dans l'histoire, il n'y a pas de hasard. Quand quelque chose arrive, c'est que ce n'est que la conséquence de quelque chose qui a été planifié au préalable. Tout ce petit rappel que je veux vous faire, à propos du premier essai de dépopulation que l'on a eu avec l'épisode de la grippe H1N1. Ça vous rappelle quelque chose? Rappelez-vous l'hystérie de l'époque. Là encore, je me réfère au numéro 102 de décembre 2009 de La Politique, où je mettais en garde devant le projet de dépopulation voulu par les élites mondialistes, profitant de la pandémie de grippe H1N1, dont on n'a jamais su très bien d'où elle venait. Je citais la lettre confidentielle du 29 juillet 2009 de l'Agence de protection de la santé britannique, reproduite dans le Daily Mail, qui mettait en garde envers le Scholem, adjuvant des vaccins, américain déjà, qu'allègrement Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, son ministre de la Santé de l'époque, allait tenter de nous imposer. Le professeur Elizabeth Miller, chef du département d'immunologie, rappelait que le squalen, adjuvant des vaccins, avait été utilisé aux États-Unis lors d'une campagne de vaccination de masse en 1976, jusqu'à ce que les syndromes de Guillain-Barré, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux qui en avaient découlé obligent à son arrêt. Donc vous voyez déjà la catastrophe engendrée par ce vaccin soi-disant pour soigner. On allait retrouver les mêmes conséquences, en plus grand, avec la morbidité et la mortalité des prétendus vaccins anti-Covid. Je rappelais aussi que le squalène avait été mis en cause dans le syndrome de la guerre du Golfe, en 1993, avec 10 000 GIs décédés, sans compter une augmentation de 200% des cas de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire la maladie de Charcot, qui est une maladie à très 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 mauvais pronostic. J'avais signalé encore qu'en février 2009, John Burgmeister,
collaboratrice aux revues scientifiques mondialement connues comme Nature, British Medical Journal, The Scientist, Reuters Health, avait déposé plainte devant le parquet de Vienne, en Autriche, contre Baxter AG, Baxter International, Avir Green Hill Biotechnology pour, je cite, « développement, production, diffusion et utilisation d'armes biotechnologiques de masse entre 2008 et 2009, dans le but de provoquer une pandémie globale de grippe aviaire afin de réaliser une opération financière extraordinaire avec des actes qui vont à l'encontre des lois relatives à la criminalité internationale et les crimes de masse. » Donc oui, il n'y a rien de nouveau. Nous avons vécu la répétition de ce scénario. Le 8 avril 2009, toujours Jane Burmeister présentait au tribunal à Vienne les preuves accusant Baxter et Avir Green Hill Biotechnology d'avoir intentionnellement distribué du matériau vaccinal contaminé avec la souche vivante de la grippe H1N1 afin de provoquer une pandémie et d'en profiter. Le 10 juin 2009, toujours Jane Burmeister déposait une troisième plainte auprès du FBI, à l'ambassade US à Vienne, contre l'OMS, l'ONU, les financiers juifs Rothschild, Rockefeller et Soros pour, je cite, « programmation d'un crime de génocide en vue de la réduction de la population mondiale par les Illuminati en vue d'un nouvel ordre mondial avec l'élimination d'ici 2015 de 3 à 5 milliards de la population mondiale. » Vous vous rendez compte, il y a heureusement des gens conscients et qui osent dire ce qu'il faut dire. Malheureusement, évidemment, tout cela est passé sous silence par les grands médias. Quant à Jérôme Machenser, il demandait le 4 septembre 2009 une enquête criminelle à Gigi Bosque, procureur de la République du parquet de Créteil, contre Roselyne Bachelot, Brice Hortefeux et Michel Alliot-Marie, je cite, pour violation des intérêts fondamentaux de la nation, planification de la perte de souveraineté de la France, suppression des droits civiques et le meurtre de masse de la population française par le moyen d'une attaque biologique. Voilà les pièces du dossier. Si vous mettez ces documents sous les yeux des gens qui ne veulent pas vous croire, soit ils ne veulent vraiment pas voir la réalité, enfin, je ne sais pas. Sauf à considérer que c'est une maladie mentale. Donc, comment ne pas voir les prémices, déjà, qui allaient être imposées de manière dictatoriale par Emmanuel Macron et sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et bien entendu, Jérôme Salomon. Rappelez-vous ce gentil Jérôme Salomon qui, tous les soirs, nous donnait la statistique s'aggravant de jour en jour de des morts dues au Covid pour inciter à se faire vacciner. Tout a été vraiment, mais scientifiquement programmé et mis en œuvre. Et puis, il y a la déclaration du 22 mars 2009 de John Leake, Brian Montagu et John Parrott, qui étaient les conseillers de Gordon Brown, qui était le premier ministre anglais de l'époque. Et voilà ce qu'ils disaient. Ils estimaient, je cite, «
que la population britannique devait être réduite de 30 millions d'habitants pour former une société durable. Donc voilà l'obsession de ces élites, entre guillemets, du monde occidental. Nous tuer. Nous liquider. Et cet appel à dépopulation allait être repris à la conférence annuelle de l'Optimum Population Trust que John Porritt présidait, puis repris par le Sunday Times du 22 mars 2009. Et de son côté, le 31 mars 2009, le docteur Nina Fedorov, conseiller scientifique de George W. Bush, puis de Barack Obama, déclaré à la BBC, il y a déjà probablement trop de personnes sur Terre. Bah, donc, il faut les supprimer. Ah, s'il y en a trop. Donc, vous voyez, rien de nouveau, c'était déjà dans les dossiers, dans les plans du mondialisme. Et bon, rappelez-vous que le professeur Montagnier avait démontré que le virus n'avait pas émergé comme ça, par hasard, par une mutation de la nature, mais avait été fabriqué de main humaine. Et à l'époque, j'avais démontré dans la politique et notamment dans des conférences, j'avais démontré qu'en fait, ce virus avait été fabriqué dans le laboratoire de l'université de Caroline du Nord et que cela faisait partie d'un plan en prévoyance d'une guerre bactériologique sous George W. Bush. Et on en a la confirmation indirecte par un, je l'avais cité à l'époque, par un texte d'un journal israélien qui reconnaissait que c'était grâce aux États-Unis qu'ils avaient appris qu'il allait y avoir, une épidémie très dangereuse. Comment pouvait-il annoncer aux Israéliens s'il n'en était pas à l'origine ? Alors, ce sont des choses qu'il faut constamment répéter, parce que c'est comme ça qu'on comprend pourquoi les choses évoluent d'une certaine façon. Donc voilà tout ça, tous ces petits rappels que je voulais vous faire et qui nous rappellent bien entendu à ce que vaticinait un certain Jacques Attali dans l'avenir de la vie, dans son recueil d'entretien avec Michel Salomon. C'est paru dans la collection Les visages de l'avenir chez Segers en 1980. Alors, je sais que ce texte a fait l'objet de beaucoup de commentaires et de démentis, mais je regrette beaucoup. J'ai toutes les confirmations comme quoi il est réel. D'ailleurs, ça colle tout à fait avec tout le précédent que l'on connaît. Ce n'est qu'une confirmation. Donc, je vais reciter sa fameuse citation. Sa fameuse déclaration, plutôt. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. C'est vraiment une obsession. Nous commencerons par les vieux. Car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société. Car il y en aura de plus en plus, et surtout enfin les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux.
Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose. Nous le provoquerons. Une pandémie qui cible certaines personnes. Une crise économique, réelle ou pas. Un virus qui touchera les vieux ou les gros. Peu importe, les faibles y succomberont, les peureux, les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous avons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution, qu'on permet d'ajouter la solution finale. La sélection des idiots se fera toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Tel fut le but caché de la vaccination de masse, imposée autoritairement par la plupart des gouvernements des démocraties occidentales, dont la France, par Emmanuel Macron, sous peine de ne plus pouvoir travailler et donc de se nourrir. Pesez bien tout ce que cela veut dire. Je vais revenir maintenant à ce charmant personnage de Harari. Et on ne peut que constater qu'on retrouve le même discours que dans celui de Attali. Voilà ce que Harari disait. Encore. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime pour avoir les meilleurs soins. Aussi, la grande invention sera le capteur biométrique. Quand les gens auront sur ou dans leur corps, ce sera le déclenchement de cette révolution. Pour leur santé. Leur santé. Toujours cette allusion si charitable à notre santé. Alors qu'il s'agit de notre élimination. On leur promettra, et ce sera la part, qu'il sera possible d'identifier le cancer. Quand il n'est qu'au tout début. Et aussi, je cite, « Nous pourrons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand et isoler les premiers qui sont atteints. » Ce n'est pas un mensonge. On sera capable de fournir les soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant, ce qui convaincra la plupart des gens d'abandonner leur vie privée en échange. Ce scientisme non étayé sur les faits est parfaitement trompeur, comme le soulignent nombre de scientifiques que j'ai cités d'ailleurs tout à l'heure, et il ne sert qu'à pousser les êtres humains à abandonner leur liberté de choix. Sous prétexte de la fatalité de cette évolution et pour son bien. Nouvel exemple de l'inhumanisme dont à toutes les époques Israël fait preuve envers ceux qui ne sont pas eux. Harari osait déclarer « Dans des endroits comme dans mon propre pays, en Israël, nous avons ce grand laboratoire de surveillance appelé les territoires occupés. Vous avez 2,5 millions de Kobé, les Palestiniens, pour savoir comment surveiller et contrôler complètement une population avec très peu de soldats. » Ça, j'avoue que quand j'ai vu ce texte, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire ironique.
Parce que je pense que ce Harari a dû fort peu apprécier que les Palestiniens lui aient démontré le 7 octobre par leur opération à l'Aqsa que le Hamas était resté imperméable à ses vaticinations de contrôle liberticide. Vraiment, quand on se penche sur ce genre de déclaration de ces différents individus, on se dit, mais ces gens-là, ils sont dans une obsession délirante, complètement hors réalité, mais malgré tout, même si ce sont des délires, ils arrivent quand même à en faire une application sur le terrain contre les peuples. C'est pour ça qu'il faut absolument dénoncer ce genre de textes, parce qu'ils sont annonciateurs de ce qu'ils veulent nous imposer. Et je reprends Harari. Tout repose en fait sur la religion du futur. Le dataïsme, car l'homme n'est qu'un algorithme. Vous sentez un algorithme ? Ça m'arrive. Jean-Luc, vous sentez un algorithme ? Pas trop. Les êtres humains ne sont finalement que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez, il retombe toujours dans son même délire, et si vous avez suffisamment de données et de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens. Autrefois, on mettait ce genre d'individus derrière de hauts murs, qu'on appelle des hôpitaux psychiatriques. Maintenant, ce sont les gens normaux qu'on met derrière. En posant que la liberté humaine est un mythe, Harari justifie le piratage des individus par l'implantation de capteurs biométriques sous la peau. Piratage, promet-il, qui réorganisera de manière adéquate les pensées et les sentiments des individus. Ce qu'il ne dit pas, c'est que bien entendu, c'est dans le but d'imposer le nouvel ordre mondial. Comme Macron et autres, Harari incite encore que c'est pour leur santé que les gens doivent accepter de se faire implanter des capteurs biométriques dans le corps, les privant définitivement de leur liberté. Alors, petite remarque, mais une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je suis en train de revoir et d'augmenter mon livre La maçonnerie qui est épuisée actuellement. Et cela m'a tout de suite rappelé un texte que je cite dans le livre, d'ailleurs, du haut maçon Ragon, qui dans son rituel des trois pyramides des grades disait « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. » Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Vous voyez la convergence en ces deux textes? C'est la signature. On voit ainsi par ces thèses liberticides comment il a été si facile à Emmanuel Macron d'imposer sa dictature vaccinale, avec tout ce que les médias comptent de juifs et de francs-maçons pour relayer le mot d'ordre. Il apparaît ainsi que pour parvenir à leur fin, les Harari, les Jacques Attali, les Klaus Schwab, les Emmanuel Macron et autres congénères comptent profiter de ces crises et autres catastrophes qu'ils auront programmées, comme l'annonçait Jacques Attali, et que Harari reprend. Je cite.
On dit surtout qu'il ne faut jamais laisser passer une bonne crise parce que c'est l'occasion de faire de bonnes réformes qu'en temps normal, les gens n'accepteraient jamais. Mais en temps de crise, vous voyez, on a une chance, alors allons-y. Le vaccin nous aidera bien sûr, rendra les choses, vous savez, plus gérables. Ainsi, après les injections, le puçage, la surveillance biométrique totale devrait permettre aux mondialistes l'installation d'un régime de surveillance mondiale en vue de l'asservissement des populations préalables nécessaires à l'avènement de leur gouvernance mondiale. Telle est l'éternelle obsession juive de la dictature messianique. Leur délire transhumain ne s'arrête pas là, et Jacques Attali annonçait déjà dans un entretien du 29 janvier 2013, écoutez bien, nous allons vers une humanité unisexe. La moitié aura des... Alors, écoutez bien, parce que vous allez voir la contradiction interne. Ces gens ne sont pas normaux. Ils se contredisent eux-mêmes dans leur texte. Donc, je répète. Nous allons vers une humanité unisexe. La moitié aura des ovocytes, d'autres des spermatozoïdes, qu'ils mettront en commun pour faire des enfants, seuls ou à plusieurs, sans relation physique. Sans même que nul ne les porte. Croyez pas qu'il y a un petit problème là-dedans, non? Ça veut dire quoi tout ça? Ce sont des mots alignés mais qui ne veulent rien dire. C'est abscon, comme on dit. Le mot abscon, je m'excuse, c'est pas une insulte. Ça veut dire complètement stupide et délirant. Et il continue. Cela résoudrait un problème majeur. Les capacités cognitives sont limitées par la taille du cerveau. Si l'enfant naissait d'une matrice artificielle, la taille de son cerveau n'aurait plus de limite. Ça va? Vous n'êtes pas encore effondré? Donc, alors, je voudrais tout de même revenir sur une certaine contradiction quand même. Quand cet individu dit « la moitié aura des ovocytes et l'autre des spermatozoïdes », comment peut-il parler d'humanité unisexe? Il y a un problème. Et ce sont ces individus à intellect complètement délirant, fous, qui font les grands titres des médias et qui nous gouvernent. Directement et indirectement. On est donc là, en plein délire messianique de l'homme qui prétend se faire Dieu. Éternelle tentation de l'orgueil, orgueil satanique. Alors, je voudrais tout de même poser une question impertinente. Les promoteurs de ce genre d'avenir radieux, comme dit Harari, est-ce qu'ils seront eux aussi se faire pucer? Alors, vous savez, c'est toujours intéressant d'avoir une banque de données, d'avoir aussi une bonne mémoire, parce que ça permet de faire les rapprochements. Et je voudrais rappeler certains textes que j'ai déjà cités, mais qui viennent à propos dans l'optique de cette conférence. Parce que ça rejoint tout à fait ce que nous promet les Attali, les Rara.
À première vue, je vais vous dire non, pas nécessairement, mais vous allez voir pourquoi je le cite. Un premier texte, il y en a d'autres, hein, si je... Il y en a d'autres et il y en a d'autres. Mais par exemple, ce texte d'Isaac Joseph Crémieux. Vous savez, ce charmant président de l'Alliance israélite universelle qui, en 1870, avait imposé le décret qui porte son nom, qui donnait la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pour les musulmans qui, eux, venaient de se battre pour la France contre la Prusse. Petit détail en passant. Voilà ce que ce charmant personnage, qui fut ministre de l'Intérieur de la Troisième République, sous Adolphe Thiers, donc tout ce qui est de plus grand personnage de l'État républicain. Voilà ce qu'il disait. « Le catholicisme, notre ennemi de tout temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples, sous la bannière du Dieu dit d'Israël, sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes ces occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter notre puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Vous trouvez ce texte dans le Morning Post du 6 septembre 1920. Autre exemple de cette haine talmudique envers les chrétiens. La lettre du rabbin Baruch Lévy à Karl Marx, publiée dans la Revue de Paris le 1er juin 2028. Je cite. 1928, merci de m'avoir. Donc, 1er juin 1928. Le peuple juif, en tant que collectivité, sera son propre messie. C'est pour ça que je parle toujours, quand je parle de ce sujet, du messianisme, du mondialisme messianique. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par l'élimination des frontières, des monarchies, ça c'est déjà fait, qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël, présentement dispersés dans le monde entier, pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété privée pourra être soumise aux gouvernants de race juive qui administreront partout les biens de ces États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. C'est pas une obsession, ça. Et je voudrais rappeler cette déclaration d'Isaac Atzion, directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. Il confirme bien le combat que mène le judaïsme international contre les nations en vue de sa conquête mondiale messianique. Voilà ce qu'il disait. Nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total.
parce qu'il en va de nos identités respectives. Cette déclaration a été publiée dans Israel Magazine d'avril 2003. On a confirmation de cette paranoïa haineuse par cette déclaration toute récente de Benjamin Netanyahou. Je cite. Nous sommes le peuple de la lumière. Eux, c'est-à-dire les non-juifs, sont le peuple des ténèbres. Vous sucerez le lait des nations et leurs richesses vous appartiendront. Alors Israël resplendira de la lumière de Yahvé et une sombre brune recouvrira les nations. C'est tout récent ça. Benjamin Netanyahou, l'assassin de femmes et enfants sous les bombes américaines à Gaza. Et pour terminer cette litanie de haine, je voudrais rappeler les textes de Vincent Peillon, qui fut ministre de l'éducation dite nationale. C'est dans son livre « Une religion pour la République ». La République, c'est pas la France. Voilà ce que cet ancien ministre socialiste de l'éducation nationale et surtout juif et franc-maçon du Grand Orient disait. Toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu et du Christ, à terrasser définitivement l'Église. Donc vous voyez toutes ces obsessions de cette communauté contre tout ce qui n'est pas eux. Si j'ai estimé faire ces différents rappels, c'est d'une part pour rendre palpable cette haine talmudique acharnée contre les peuples pour imposer la dictature mondiale messianique, mais c'est surtout pour introduire le deuxième volet de cette conférence. La poursuite du projet de dépopulation mondiale en vue de la conquête messianique mondiale. Nous avons vu plus haut le départ du plan de Harari au travers du transhumanisme annoncé comme fatal, pour faire accepter sans résistance, et qui doit aboutir à terme à un monde robotisé. Voilà ce qu'il écrit aujourd'hui, sous prétexte que, je cite, « l'intelligence artificielle va bouleverser le monde ». Il n'est même plus question aujourd'hui d'un texte charitable sous prétexte du bien de l'être humain pour le rassurer, alors qu'il s'agit de son élimination. Le masque tombe. Voilà ce qu'il a déclaré tout dernièrement. Maintenant, faisons une avance rapide jusqu'au début du XXIe siècle, lorsque nous aurons tout simplement pas besoin de la grande majorité de la population. L'avenir consiste à développer des technologies de plus en plus sophistiquées, comme l'intelligence artificielle et la bio-ingénierie. La plupart des gens n'apportent rien à cela. Et dans cette optique, et sous ce prétexte de l'éternel et irrésistible progrès scientifique, Harari suggère, je cite, « une Bible réécrite par l'intelligence artificielle pour des religions réellement correctes ». Ça va, oui. S'exprimant au Portugal lors d'une conférence sur l'avenir de l'humanité, Yuval Noah Harari, qui est,
rappelons-le, l'un des principaux conseillers du Forum économique mondial de Davos et de son président Klaus Schwab, annonçait, je cite, « l'utilisation de l'intelligence artificielle pour remplacer les saintes écritures créera des religions unifiées réellement correctes. » Obsédé. Mais derrière ce texte, ça ne vous évoque pas quelque chose? Le noachisme, ça vous dit quelque chose, ça? C'est pas nouveau. C'est mon père, d'ailleurs, qui avait ressorti cela. Le noachisme, c'est quoi? C'est une fantasmagorie d'union de religions sous l'égide du judaïsme, devenant la religion universelle. Et s'adressant au journaliste Pedro Pinto à Lisbonne, Harari déclarait devant un auditoire sélectionné, c'est là toute première technologie capable de créer de nouvelles idées. Vous savez, l'imprimerie, la radio, la télévision, elles diffusent les idées créées par le cerveau humain, par l'esprit humain. Elles ne peuvent pas créer une nouvelle idée. Gutenberg a imprimé la Bible au milieu du XVe siècle. L'imprimerie imprimé autant d'exemplaires de la Bible que Gutenberg lui demandait, mais elle ne créait pas une seule nouvelle page. Elle n'avait pas d'idée propre sur la Bible. Était-elle bonne? Était-elle mauvaise? Comment interpréter tout cela? Et Harari faisait cette suggestion lourde de sens. L'intelligence peut créer de nouvelles idées, elle peut même réécrire une nouvelle Bible. Tout au long de l'histoire, les religions ont rêvé d'avoir un livre écrit par une intelligence surhumaine, par une entité non humaine. Dans quelques années, il y aura peut-être des religions correctes. Il suffit de penser à une religion dont le livre saint serait écrit par l'intelligence humaine. Cela pourrait devenir une réalité dans quelques années. Bien sûr, l'organe israélien de Times of Israel, relayé à Harari, qui avait souligné qu'un logiciel comme le ChatGPT qui maîtrise les langues humaines, peut exploiter cette fonction pour influencer la culture, c'est-à-dire influencer les gens. Et il poursuivait. Pendant des milliers d'années, les prophètes, les poètes, les politiciens ont utilisé le langage et la narration afin de manipuler, de contrôler les gens et de remodeler les sociétés. Il y a un petit peu de tromperie là-dedans parce que mélanger les poètes, les prophètes et les politiciens, c'était pas tout à fait la même chose dans les buts, quand même. Mais Harari n'en est pas à un mensonge près, voyons. Et il poursuit dans son obsession. Maintenant, l'intelligence artificielle est susceptible d'être également capable de le faire. Et une fois qu'elle le peut, elle n'a pas besoin d'envoyer des robots tueurs pour nous abattre. Elle peut amener les humains à appuyer sur la gâchette. C'est invraisemblable. Ce genre de texte est absolument... c'est impensable. Mais n'est-ce pas là ce que Attali a vaticiné dans son entretien avec Michel Salomon? Et qu'il a repris d'ailleurs dans l'Express du 11 juin 2009,
Je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait fait, que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » Obsession, obsession, obsession. Et The Times of Israel rapportait aussi que Hariri avait déclaré « Contrairement à ce que certaines théories du complot supposent, vous n'avez pas besoin maintenant d'imploter des puces dans le cerveau des gens pour les contrôler ou les manipuler. » Si ce n'est pas un aveu, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il essaye donc de faire croire comme une chose fatale, contre laquelle on pourrait réagir, bien entendu, puisqu'il est fatal, que les technologies modernes comme l'intelligence artificielle permettraient de remplacer les gens. Et je poursuis sa citation. Si vous remontez, mais là vous verrez aussi la clarté de la pensée, si je peux dire. Ne me prenez pas au sérieux quand je dis ça hein, quand même. Si vous remontez au milieu du XXe siècle, poursuit-il, et peu importe si vous êtes aux États-Unis avec Roosevelt, ou si vous êtes en Allemagne avec Hitler, ou même en URSS avec Staline, et que vous pensez à construire l'avenir, alors vos matériaux de construction, ce sont ces millions de personnes qui travaillent dur dans les usines, dans les fermes, et les soldats. Vous en avez besoin. Maintenant, faisons une avance rapide jusqu'au début du XXIe siècle. Lorsque nous n'avons tout simplement pas besoin de la grande majorité de la population. L'avenir consiste à développer les technologies les plus sophistiquées, comme l'intelligence artificielle et la bio-ingénierie. La plupart des gens n'apportent rien à cela. Donc, si on comprend bien, il faut s'en débarrasser. Et on retombe dans ce que je disais au début de la conférence, quand je faisais mes rappels sur ce qui s'était passé avec la pandémie de grippe H1N1 et de ce bon petit virus du Covid-19. Ils en ont besoin pour arriver à leur but. C'est comme ça qu'ils comptent éliminer les populations. Je citais tout à l'heure ce chiffre répertorié par un institut sérieux qui donne 17 millions de victimes parmi les vaccinés. Pas du fait du Covid. Du fait du Covid. Voilà pourquoi il faut toujours rappeler ces textes, les faire connaître, car ils révèlent le délire criminel de ces mondialistes qui sont prêts à tout pour nous imposer leur gouvernance mondiale messianique. Mais ce n'est pas tout. Et on va voir le développement qui, en fait, logiquement, en découle. En fait, on s'aperçoit au travers de ces textes, notamment de Hariri, qu'ils escomptent au travers de cette intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui, d'ailleurs, sur les médias, on ne parle que de ça. Il y a même maintenant un bon placement à faire dans les sociétés qui s'occupent de l'intelligence artificielle. Il paraît que ça va rapporter gros. Mais il y a une chose qui me saute aux yeux dans tout ça. Dans ce nouvel ordre mondial, qui est en fait l'orgueil luciférien, transhumaniste, dressé contre la création. Dans ce projet de dépopulation, finalement, qu'est-ce que l'on trouve? Ne serait-ce pas une volonté
de réduire la population de façon à ce que le peuple élu de Yahvé ne soit pas aussi minoritaire qu'il l'est aujourd'hui, et pourquoi pas ne serait-il pas le seul survivant ? Il n'y aurait plus de problème. Plus besoin d'imposer une dictature mondiale sur ceux qui ne sont pas eux. Il n'y aurait plus qu'eux. Réfléchissez à tout ça, à l'enchaînement de tous ces textes que je vous ai donnés. Malheureusement, je ne pense pas me tromper. C'est une déduction logique de tout ce qui a été dit. Le monde rêvé pour eux serait celui où désormais seul sur Terre, ils n'auraient plus besoin de domination sur les autres peuples, puisqu'ils auraient disparu. N'est-ce pas, à l'échelle du monde, petit rappel, ce qui s'était passé en Khazarie, lorsque par l'afflux successifs de populations juives, ils avaient progressivement éliminé les Khazars de souche pour prendre leur place. Vous voyez, les rappels historiques, c'est fascinant, parce qu'on trouve toujours le fil conducteur. Il n'y a jamais rien de nouveau. On est en train d'arriver au bout de leur folie meurtrière. Cette élimination des peuples pour prendre leur place, c'est une vieille habitude juive. On parle du peuple errant. Le problème, c'est que le peuple errant, étant errant justement, en fait, quand il arrive dans une contrée qui lui semble propice, élimine les populations qui y sont. À travers l'histoire, ça a toujours été comme ça. Et reprenez ma conférence du mois dernier, je remontais au texte de la Bible et notamment au livre de Josué. Il n'y a jamais rien de nouveau dans l'histoire. Il y a la succession de volontés qui se sont ajoutées et qui poussent toujours dans un sens. Le problème, c'est que les peuples ignorent ces textes parce qu'on les leur masque. Et c'est là tout notre drame. Donc tout cela, ce n'est qu'une vieille habitude juive. Il faut en être conscient. Merci de votre attention. Merci, je vais évidemment citer des textes très graves, je crois que vous l'avez parfaitement compris. On peut être traité d'antisémite, vous que je m'en contrefiche éperdument, parce que, qu'est-ce que je fais? Je décris une situation sur base de leur propre texte. Qu'est-ce que vous voulez comme reproche? Hein? De toute façon, la peur des mots, ben ça ne me touche pas. Alors là, il y a longtemps que ça ne me touche plus, si ça ne m'a jamais touché. Donc voilà, à vous de travailler à votre tour. Là, on ne gagnera que petit à petit par réinformation. Il faut que les peuples commencent par douter de l'information. Première chose. Le jour où la mentalité générale sera devant une information dans leur gazette ou à la télévision, quand ils voient quelque chose, de dire « mais qu'est-ce qu'on cherche à me faire croire ?», on aura déjà en partie gagné.
Donc voilà, à vous de travailler aussi. Je fais avec mes amis ce que nous devons faire, parce que nous avons la connaissance de texte, que nous avons le devoir de porter à la connaissance de tous. Donc à vous maintenant de travailler. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Justement, je voulais savoir, comment se fait-il que Israël était un des pays les plus vaccinés, si effectivement, ils veulent être les seuls... Alors, vous n'êtes pas le premier à me poser des questions, c'est une des questions que je me suis tout de suite posée, parce que c'était absolument délirant. La façon dont le gouvernement israélien a poussé, comme en France, à la vaccination, mais autoritaire... avec les conséquences qu'ils savaient, puisqu'ils ont été le premier peuple à être averti par les Américains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut éventuellement envisager ? En essayant de se mettre dans la mentalité juive, qui attend toujours l'arrivée du Messie, du Machia. Il leur faut une hécatombe. Ils le disent eux-mêmes pour que le Messie puisse arriver. C'est complètement délirant, mais ils le disent. Alors, je ne vois que ça comme hypothèse. On pourrait aussi invoquer un aspect financier, oui. Puisque le principal producteur de vaccins, Pfizer, son patron, est un certain Bourla, juif, grec. Oui, mais au point de les suicider... C'est pour ça que je ne retiens pas cette hypothèse. Je ne pense pas à cette hypothèse. Non, je vous dis, il y a quelque chose d'absolument malade dans l'esprit juif, ça c'est certain. Ce peuple est un peuple absolument à part dans l'histoire de l'humanité. Et déjà, quand on remonte à l'Antiquité, on voit toutes les trahisons dont le peuple juif a été capable contre ses propres prophètes, qui ont souvent été persécutés par les juifs eux-mêmes. Donc c'est très révélateur. L'histoire du veau d'or, c'est pas nouveau. Ça ne date pas des Rothschild et des Rockefeller. Déjà à l'époque, ça existait. Donc il y a un rapport de dominance mondiale par l'argent, par l'or, déjà, qui fait partie de la... du substrat juif. C'est un peuple à part. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène de l'histoire, mais en tout cas, chaque fois qu'ils apparaissent quelque part, c'est pour le malheur du peuple. Oui. Partout. Ils sont séparés aussi entre Ashkenaz et Sépharat. Ils sont séparés entre Ashkenaz et Sépharat. Oui. Kif-kif. Kif-kif. C'est la même chose. S'ils veulent s'entretuer les uns. C'est la même chose. Alors, il y a deux visions. Il y a l'aspect, je dirais en gros, nationaliste, avec Israël, l'État d'Israël. Et puis, vous avez les internationalistes. Mais de toute façon, en ce qui concerne ces deux tendances par rapport à nous, non-juifs, c'est la même chose. Ils sont tous d'accord. Oui. Alors, bonjour docteur, bonjour. J'aurais plusieurs questions. Ah, mais je vous en prie. Je vais essayer d'être bref. C'est difficile, mais je vais essayer. Je voudrais revenir d'abord 20 ans en arrière sur l'affaire Edgar Morin. Ah. Sociologue français. Oui. Voilà, qui avait critiqué le sionisme et qui s'était retrouvé en procès avec, dans la partie adverse, William Bin Laden, d'ailleurs. Charmant garçon. Edgar Morin avait gagné. Donc, a priori, je pense que c'est une jurisprudence encore exploitable aujourd'hui dans la critique du sionisme en France, y compris par le camp nationaliste. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que... Alors, je connais cette histoire-là, mais ouais. je n'ai pas les textes. Donc, si vous les avez, soyez gentil de me les envoyer. Non, mais c'est très intéressant. Alors, question. J'en viens à une actualité récente. Si vous relayez
la presse, si vous voulez. Le courrier international, lui, je connais. Si vous voulez relayer la une d'un journal politiquement correct, on pourra difficilement, là aussi, vous accuser d'antisémitisme. Ah, c'est tout à fait ça. Alors, ceci dit, quand on regarde de près les informations, au jour le jour, Israël n'est pas à la fête. Hein. À Gaza, ça ne se passe pas comme il pensait. Si vous voulez montrer la vidéo, j'ai vu, je peux garder ça ? Ah, mais je vous en prie, docteur. Merci beaucoup. Si vous pouvez puis le montrer à la vidéo pour qu'on le voit aussi. Hein ? La mort de la vidéo. Ouais, ouais. Bon, courrier international quand même. Ah, d'accord. Tout à fait. C'est pas arrivé à moi. Non, c'est pas arrivé à moi, et c'est pas la politique. C'est pas la même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, alors, ceci dit, c'est comme toujours, cette hystérie juive mène à leur perte. Au travers de l'histoire, c'est systématique. Et quand on voit le lever de boucliers et le développement de l'antisémitisme à travers le monde, y compris aux États-Unis, les campus américains, des universités américaines, les étudiants juifs qui s'y trouvent, ils ne sont pas à la fête. Il y a, là encore, ils sont allés trop loin, ils ne savent pas s'arrêter, et ça va leur retomber sur la figure. Et je prends ce que je commençais à dire à l'instant, sur le terrain, ça ne se passe pas bien sur eux. J'ai vu dernièrement une déclaration de CNN, je vous cite ça à peu près de Victoire, disant que les carottes étaient cuites pour Israël. Ils ont des pertes au contact. Alors, ils peuvent bombarder, écraser tout sous leur bombe, bombe américaine, mais sur le terrain, ça ne se passe pas bien du tout. En plus de ça, il y a tout de même tous les à côté autour d'Israël qui, finalement, est obligé de se garder à toutes ses frontières. Donc, wait and see, attendons et voyons venir. Mais les carottes. Soral, il y a une vingtaine d'années, avec une excellente analyse d'Israël. Alain Soral, oui. Il y a une vingtaine d'années, avait fait une excellente analyse d'Israël. C'est-à-dire ? Donc, c'est un peuple versé dans le tertiaire et qui ne faisait rien de leur dix doigts. Non, non, mais c'est... Dans les grandes lignes. Vous savez, bon, de toute façon, de tout temps, il y a eu des écrivains qui ont mis le doigt sur la question. Rappelez-vous les écrits d'Edouard Drummond. Il faut lire La France juive d'Edouard Drummond. Tout est dedans. Tout est dedans. Donc, c'est ce qui est d'intéressant et de rassurant quand même. C'est qu'à toutes les époques, il y a des hommes qui voient juste, qui disent, qui écrivent ce qu'il faut dire et écrire pour avertir les populations. Malheureusement, le problème, c'est que comme nous n'avons pas les moyens d'information, on fait croire tout et n'importe quoi au peuple. Et c'est pour ça que l'information ne peut passer que par des petits ruisseaux. Vous êtes des petits ruisseaux, vous devez être des petits ruisseaux pour amener la vérité là où il faut. Il n'y a pas 36 000 solutions. Oui ? Pour Gaza... Israël envisage de noyer les tunnels. Oui, j'ai vu ça. De noyer les tunnels et je ne sais pas ce qu'il est recherché d'utiliser les gaz dans les sous-terrains. Ah non, mais il y a toutes les hypothèses possibles et imaginables. Il y a noyer les tunnels, il y a envoyer les gaz et il y en a même certains qui parlent d'utiliser la bombe atomique. Ah. Ce qui est un aveu. Et ça risque d'arriver. Ce qui est un aveu de leur impuissance. Mais ça fait un mois hein, qu'ils parlent de noyer le tunnel. Oui, bon, je crois que techniquement, c'est pas faisable. Et puis, ceux qui voudraient amener les tuyauteries au tunnel, ils pourraient leur arriver des petites bricoles, non ? Mais il y a eu des tuyaux d'installer, mais je ne sais pas, ça se remplit pas, ou je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous rappelez, je crois que ça doit être dans l'avant-dernier numéro de La Politique. Et j'annonçais que maintenant que Israël était obligé de rentrer sur le terrain à Gaza, ça allait être sa fin. Parce que là, homme contre homme, c'est plus du tout la même chose. Il paraît qu'on leur livre des couches-culottes dans le kit militaire.
Non, non, mais alors, il y a une autre information que j'ai vue qui m'a laissé un peu perplexe, c'est qu'il il rapatrie des unités militaires. Oui, ça veut dire quoi, ça? Autre question? Oui. Donc, les mondialistes du 21e siècle ne produisent-ils pas une version criminelle et dénaturée des thèses de l'économiste du 19e siècle, Thomas Malthus, qui lui avait une vision raisonnable et concertée de la régulation démographique? Oui. Oui, effectivement. Effectivement. Il faut quand même faire la différence entre les deux, je pense. Oui. Ouais. Donc, pour rebondir sur le thème de la conférence, donc la France, comme d'autres pays, doit s'attendre au pire. Donc, ma question, sachant que l'avenir de l'Union européenne est menacé, Union européenne dont on sait qu'elle ne s'est pas faite dans l'intérêt de ses États membres, hein, de toute façon, quels sont selon vous, parmi les pays d'Europe et du monde, nos meilleurs alliés potentiels dans la perspective des années, des décennies qui nous attendent? Et avec quelles répercussions sur nos institutions, notre économie, notre marché du travail? Bon, évidemment, la réponse, je dirais, est très facile. Je dirais en premier lieu la Russie. La Russie. Évident. Ouais. Et je dirais les pays arabo-musulmans non soudoyés par l'Occident américain, judéo-américain. Parce que dans le monde arabe, il y a les deux. Hein. Il y a ceux qui essayent de préserver leur héritage national, ce qui est tout à fait justifié. Et puis il y a les autres qui, pour lesquels seul le business compte. Mais malgré tout, regardez par exemple l'exemple que donne l'Arabie saoudite, qui est une monarchie d'origine juive. Il faut le savoir. Qui a demandé et qui vient de rentrer dans les BRICS. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas complètement idiots. Ils savent très bien qui est en train de gagner. Et rappelez-vous, ça date déjà de plusieurs, largement au moins un an, où je disais que l'affaire d'Ukraine allait être le grand tournant de réinitialisation, mais pas celle que l'Occident à l'américaine nous annonçait. La réinitialisation contre le monde unipolaire qu'il imposait. Et ça, c'est... Poutine ne cesse de revenir là-dessus. Ce qu'il veut, c'est réintroduire un monde multipolaire où les nations redeviendraient indépendantes économiquement, militairement, politiquement. Donc vous pensez en trouvant des accords entre pays. Mais tout est là, c'est Dieu comme le monde, ça. On a des intérêts communs, on travaille ensemble, on n'a plus les mêmes intérêts, ben on va voir avec un autre. C'est toujours comme ça. Mais le monde unipolaire, cette dictature mondiale, mondialiste à l'américaine, et ce qu'il y a derrière, bien entendu, le deep state, comme on dit, c'est terminé, ça. Et c'est pour ça que de plus en plus de pays se détachent des États-Unis. Donc, on va vers la fin de l'hégémonie américaine. Attendez, toc et toc. Avez-vous entendu parler qu'on était revenu au standard or? Au quoi? Au standard or. Bah, évidemment, il n'y a qu'à regarder comment l'or monte. Ça, c'est évident. Et je n'attends qu'une chose, c'est qu'un jour, Poutine, éventuellement avec les Chinois, impose l'étalon or. Bon, de toute façon, étalon or ou pas étalon or, sa politique, je dirais, géniale, de dédollarisation, qu'il a instituée depuis 2014, scie systématiquement les bases du dollar, qui n'est plus, qui devient de moins en moins la monnaie de référence mondiale. Donc tout est là. À partir du moment où le dollar n'est plus la monnaie de référence, tôt ou tard, Wall Street et la City, terminé. Donc tout est là.
Mais il est évident que si on se basait, c'est pour ça d'ailleurs que la Russie, la Chine et d'autres ne font qu'acheter de l'or. C'est pas par hasard. Or, l'or en lui-même, métal, ne rapporte rien. Donc c'est un pari sur l'avenir. Oui. Attendez. Oui. Madame, j'ai vu. Mais monsieur d'abord, il a... Oui, donc on constate qu'il y a un rapprochement entre deux tendances chiites et sunnites dans le monde arabe, mais c'est lié à un travail diplomatique intense de la Chine en particulier. Oui, alors, oui, c'est pas aussi évident. Hein. Même dans les différentes tendances chiites et tendances sunnites, ce n'est pas aussi unifié que cela pourrait paraître. Hein, souvent, on a tendance, moi-même j'ai tendance souvent à opposer chiite à sunnite, mais c'est pas aussi évident que ça. Un exemple historique tout simple, Saddam Hussein était sunnite. Donc vous voyez, il faut toujours se méfier des étiquettes et de la généralisation. Il faut peser chaque événement pour ce qu'il représente réellement et trouver la logique qui en découle. Mais pas de schéma généralisé. Parce qu'on se trompe à tous les coups. Madame. Et actuellement, par exemple, au Yémen, bon, il y a quand même une accalmie dans l'intervention de l'Arabie Saoudite dans la guerre. Ils n'ont pas gagné. De toute façon. Les outils étaient chiites et c'est en partie pour ça que l'Arabie Saoudite est intervenue. Mais de toute façon, derrière l'Arabie Saoudite, c'était Israël et les États-Unis. Bien sûr. De toute façon, ça, on retrouve toujours le même chemin. Et sur le terrain, d'ailleurs, la coalition Arabie Saoudite, Israël et États-Unis n'ont pas gagné contre les Houthis. Et il se révèle que les Houthis sont de redoutables guerriers et qui n'ont pas hésité à établir un blocus, ce qui ressemble furieusement à un blocus économique d'Israël en bloquant le détroit d'Ormuz. Car c'est une dimension nouvelle à laquelle personne ne pensait. Parce qu'on ne pensait pas que les Houthis seraient capables et auraient la volonté de le faire. Madame ? En fait, je voulais rebondir par rapport à l'influence de l'Arabie Saoudite dans les BRICS. L'influence de l'Arabie Saoudite sur ? Dans les BRICS, en fait. Oui, les BRICS. L'intégration. Oui. Si son influence juive, comme vous le dites et comme j'ai toujours pensé, vous ne pensez pas plutôt que c'est un noyautage du messianisme dans les BRICS, c'est-à-dire qu'à terme, recommencer justement à mettre en place cette politique de mondialisation messianique? L'avenir le dira, mais je pense qu'étant donné que les BRICS sont sous la coupe de l'œil vigilant de Poutine, s'il y avait des tendances séparatistes ou centrifuges, ça ne se passerait pas très bien. Non, mais votre question est intéressante parce que ça me semble, l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les BRICS me semble contre nature. Et j'ai toujours pensé que ces monarchies arabes étaient d'ascendance juive. Oui, tout à fait. Bravo. Bravo. Mais bon, de toutes les manières, on le voit bien avec le Maroc maintenant. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais quand je disais il y a 20 ans, c'était pas du tout certain, on connaît pas une chose. Ah, exactement, bravo. Ils sont dans tous les circuits du pouvoir au Maroc, les Juifs. Justement, vous ne pensez pas qu'avec la révolution, ce qui se passe actuellement au Maroc, il y a énormément de manifestations à Casa. Je pense que Mohamed VI, quoi, c'est mon analyse, mais je n'ai pas absolument aucune analyse politique, hein, je ne suis pas issu de la politique. Bon, pour moi, Mohamed VI a donné les clés à Azoulay du pays, parce qu'il n'est plus du tout dans son pays. Pensez-vous pas qu'actuellement, le peuple va renverser ce gouvernement au Maroc? Ce qui serait une sécurité pour la Ce n'est pas que je le pense, c'est ce que j'espère. Ouais. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un peuple a tout est possible. Tout est possible. Et franchement, il se passe aujourd'hui des choses partout dans le monde. On est dans une irruption totale partout. C'est contrôlé par le Mossad, c'est sûr, mais là, les Marocains, à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont très importants, je trouve que le Maroc n'a jamais eu un soulèvement par rapport à la politique qui est menée par Israël aussi important
contre le Mossad qui est en place au Maroc et contre justement le gouvernement. Alors, un élément. C'est la première fois qu'on voit ça au Maroc quand même. Incontestablement, avant même ce qui s'est passé en Palestine depuis le 7 octobre, avant même cela, il y avait des manifestations au Maroc. Le fait que le Maroc reste allié d'Israël après les massacres perpétrés par Israël contre les populations civiles palestiniennes, ça, je pense, à terme, ça a provoqué une révolution au Maroc. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Parce que si l'Afrique du Nord devenait officiellement antisémite, ça changerait beaucoup de choses. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport à la première partie de vos conférences sur M. Hariri concernant le hacking des cerveaux. Par rapport à ce que vos citations, il parlait de ça à l'avenir, mais est-ce que ça n'a pas déjà été fait sur certains actes terroristes en France qu'on a connus, entre guillemets, avec Mohamed Emera, avec même le dernier terroriste soi-disant syrien, chrétien, qui a tué des enfants dans un parc vers Annecy? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont déjà le cerveau hacké ou... Alors, est-ce bon, si écoutez. C'est vrai qu'il y a eu. Ce sont eux qui ont fait les attentats, bien sûr que cette hypothèse se révèle vraie. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont déjà le cerveau un peu hacké? Oui. Alors, votre question est intéressante. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Si on reprend les épisodes d'attentats sous bannière islamique qu'on a eu il y a quelques années, en fait, on se rend compte que les auteurs que l'on nous a annoncés comme étant des musulmans islamiques, etc., etc., ont été des gens évidemment téléguidés, notamment dans le cas de Mera, celui qu'on nous a présenté comme assassin, faisait partie des services de renseignement français. Il faut le savoir. Donc on a l'impression que ce sont des gens qui ont été manipulés, intelligence artificielle ou pas, je pense qu'il peut y avoir de tout, il peut y avoir des promesses de fortune de ceci, de cela, et puis après on le liquide, l'affaire est terminée. Mais, une hypothèse, oui. Intelligence artificielle, où commence et où se termine l'intelligence artificielle? Les médias qui nous racontent tout et n'importe quoi, c'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est sûr, mais la manière dont quand ils ont filmé le Syrien, soi-disant chrétien, avec sa Bible, hein, bizarrement, on a une Bible, on va tuer quelqu'un, ou un Coran, ou ce que vous voulez, et quand on le filme, quand on le voit un peu agir, on le voyait un peu robotisé, vous voyez ce que je veux dire? Dans oui, le parc, oui. Comme ça. Alors, soit il est drogué, donc c'est déjà du hacking. C'est pas exclu. Ou il y a un truc qui n'est pas naturel, en fait. C'est bizarre, cette robotisation. Si c'est vraiment cette hypothèse, après, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau. Vrai, je vais vous rappeler un truc, et tout ce qui est plus historique. D'où vient le mot assassin? Ashishaïd. Hassan Saba. Ashish. Hassan Saba? Non? Ça vient de la haute antiquité, c'était ce qu'on appelle. Vous vous rappelez le. Comment on l'appelait déjà? Le vieux de la montagne, je crois. Oui, Hassan Saba. Le vieux de la montagne, exactement. Qui envoyait ses combattants sous l'influence du hashish. D'où le mot assassin. Justement, qu'il est. Oui, tout à fait. Après, j'aimerais discuter avec vous, hein. Après, je vais discuter avec vous. Ça a été le cas, par exemple, dans la guerre du Vietnam, la plupart des soldats américains étaient drogués. Ah oui, il y en avait bien entendu. C'est pas nouveau. C'est-à-dire, et actuellement, c'est avec le Captagon. Captagon, qui est une drogue, justement, qui agit sur quoi? Qui a été utilisée par les Américains. Non. Quand on commence à creuser, on en découvre de belles. Hein. C'est évident. J'ai deux dernières questions, si vous permettez de noter. Je vous en prie. Ce sont des questions connexes pour ouvrir la conférence sur d'autres sujets. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler les traductions, les éditions de la Bible en général et du Nouveau Testament en particulier que vous recommandez, dont vous recommandez la lecture?
Le problème, c'est que justement, curieusement, on ne retrouve pas ce que l'on veut, à commencer par le Talmud. On se rend compte qu'il y a une surveillance des textes dangereux et que certains disparaissent opportunément. Donc c'est pas évident et on ne peut se fier, malheureusement, c'est un petit peu justement la difficulté de mon travail, on ne se peut que se reporter à des citations d'autres auteurs qui, en leur temps, avaient signalé tel ou tel texte. Mais retrouver l'ouvrage d'origine, si quelqu'un veut bien me trouver une édition réelle, ancienne du Talmud, je suis preneur. Après, il y a une librairie juive à la rue Campagne-Première. Il y a un bouquiniste, je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est la rue Campagne-Première, c'est un bouquiniste dans le 14e, qui a pas mal de livres et d'anciens livres juifs, en fait. Peut-être que là, ça m'intéresse. Vous pourriez me donner les coordonnées. Ça s'appelle, je crois, La Rose. Je regarde sur Internet. Et c'est quoi? C'est une librairie juive? Oui, mais c'est un bouquiniste, donc il n'a que des anciennes éditions. Mais c'est une librairie juive au départ? Oui. Mais des fois, il passe chez Berkoff, comme ça. Mais en fait, comme j'habitais à côté, donc en fait, je voyais tout le temps, puis je regarde souvent en fait, sa vitrine avec les bouquins qu'il a. Donc peut-être que vous avez trouvé quelque chose là. Et vous, par exemple, docteur, quel est votre parent, madame? Je ne me souviens plus. Je passe tous les jours, vous voyez. Mais vous, par exemple, docteur, quelle est votre édition préférée de la Bible et du Nouveau Testament? Quelle est celle à laquelle vous préférez de préférence? J'en avais parlé, oui, il y a des années, des années, des années. Laquelle, justement? Je sais, j'avais fait un choix. Il faudrait que je retrouve ça. Je crois que c'était celle qui était une traduction grecque. Traduction grecque? Je crois que c'est celle. Mais je vous dis, c'est tout garanti. Ça m'intéresse, votre question. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre de façon définitive, mais je sais que ce sujet m'avait intéressé, que j'en avais parlé à l'époque. Mais... Bon, moi, par exemple, j'ai l'édition française de la Pléiade. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Voilà, côté de la Pléiade, j'avoue que je ne m'y suis pas plongé parce que j'ai des doutes de ce côté-là. Oui, bien sûr. Alors, dernière question. La dernière? La toute dernière. pouvez-vous citer des lieux symboliques de l'histoire du nationalisme français à visiter à Paris? Eh bien, je vous répondrai tout simplement les Édrumans. D'accord. Je crois que c'est le meilleur endroit où vous pouvez trouver justement des allusions au Paris, peut-être pas nationaliste, mais qui représente l'âme de la France. Oui. Mais fatalement, donc, on tombe dans le nationalisme, de toute façon. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un endroit à Paris comme ça qui vous vient en particulier? Vous pouvez dire la tombe de Drummond. Oui, voilà. La tombe de Drummond. Fondamentalement, cet homme a tout vu, tout compris, tout bien expliqué. C'est vraiment un des maîtres du nationalisme. Non, c'est... J'en ai souvent parlé, je vais encore le redire aujourd'hui. Vous savez ce qui a fait basculer mon père à 16 ans? Il avait trouvé un été dans la bibliothèque de son grand-père, lequel j'en sais rien, côté maternel ou matériel, j'en sais rien, un livre. C'était La France juive de Drummond. Et à 16 ans, il l'a découvert et c'était toute l'orientation de sa vie. Il avait compris tout ce qui se passait à l'époque et quelle en était la cause. Vous savez, vous qui me suivez régulièrement, soit directement en venant, soit à travers mes écrits ou à travers Internet,
le nombre de fois où je le dis remonter aux pauses. Vous ne pouvez pas comprendre une situation si vous ne vous, si vous ne faites que vous lamenter des effets sans remonter à la cause. Systématiquement. Et d'où mon critère, bon, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais quand je vois quelqu'un qui fait un très bon commentaire sur l'immigration, sur ceci, sur cela, sur les méfaits du gouvernement, en disant « Ah, ce sont des imbéciles », je dis toujours « Non, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des criminels. » Il faut remonter à la cause, à la cause, à la cause. Que, et encore une fois, je vais me répéter, que fait un médecin face à un malade ? Il constate des symptômes. S'il veut soigner et guérir le patient, que fait-il ? Il remonte à la cause. Ayant été neurochirurgien, quand quelqu'un avait mal à la tête, est-ce que je me contentais de lui donner de l'aspirine ? Je faisais des examens parce que j'avais déjà ma petite idée en tête. Et éventuellement, je découvrais une tumeur ou un début de saignement d'un anévrisme. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Je vais encore moins lui donner d'aspirine. Je l'opérais. Donc, vous voyez, des raisonnements de base, le bon sens, et remonter toujours à la course. Toujours, toujours, toujours. Et quelle est la cause ? Comment ? Quelle est la cause de notre situation et comment vous voyez l'avenir? La cause de la situation, je crois que je l'ai assez bien, j'espère, expliqué dans ma conférence. C'est la main d'une certaine communauté qui cherche avant tout, évidemment, son intérêt au détriment et au détriment de l'élimination de tous ceux qui sont pas eux. Je me tue à dire les choses sur tous les tons. Donc c'est ça. Alors comment je vois l'avenir ? Écoutez, si je continue à faire, à mener le combat que je mène, c'est que je suis tout de même optimiste. Parce que je pense que, ça je le dis aussi sur tous les tons, je pense que le propre des faux principes est de porter en eux leur autodestruction. Simplement, il faut y aider. Il faut y aider. C'est pour ça que je compte sur vous tous, pour transmettre, transmettre, transmettre. Me suis-je bien fait comprendre ? Autre question ? Oui, une question. Un peu hors sujet peut-être, mais pour l'Ukraine, comment voyez-vous l'évolution ? Les carottes sont cuites. Encore plus. Encore plus. Écoutez, c'est dramatique. Vraiment, j'ai la plus profonde pitié pour les Ukrainiens. Parce que ce salopard de Zelensky, de ce qu'il y a derrière, se sert de ces populations chrétiennes, encore une fois, pour les envoyer au massacre. Ils n'ont plus de munitions parce que l'Occident n'en a plus à leur donner. J'ai des déclarations que j'ai déjà citées à plusieurs reprises de responsables américains ou notamment du responsable de l'OTAN, Stoltenberg, disant « on n'a plus de munitions à donner à l'Ukraine ». Les arsenaux occidentaux sont en train de se vider. Et ils voudraient essayer de faire une guerre à Poutine ? Pas rigoler. L'affaire est pliée en Ukraine. Absolument pliée en Ukraine. Et c'est pour ça, justement, que le judaïsme mondial voudrait bien déclarer une troisième guerre mondiale. C'est comme ça qu'ils se sont sortis avant la deuxième guerre mondiale, devant la montée de la puissance du Troisième Reich et du Japon impérial. Il leur fallait une guerre mondiale pour essayer de détruire ces puissances concurrentes, non seulement économiquement, mais politiquement. Et surtout contraire aux intérêts d'une certaine communauté. Et c'est pour ça que je regrette toujours que la réaction allemande face à tout ce qu'ils avaient enduré après la défaite de 1918
et les scandaleux, le scandaleux traité de Versailles, il n'y ait pas eu quelqu'un d'autre qu'Hitler pour l'incarner. Parce que si toute l'Europe d'aujourd'hui n'est pas nationaliste, c'est parce qu'il n'a pas été patient, comme Poutine. La politique, comme tout, c'est une question de patience. Qu'est-ce que vous pensez de Philippot ? Ah oui, il a sorti... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, déjà, il a des mœurs qui me déplaisent profondément, pour commencer. Bon, vous me direz que c'est un détail, je dirais la même chose d'ailleurs. C'est un détail, non, c'est un problème qui lui est personnel, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais là encore, est-ce que vous l'avez entendu remonter aux causes ? Jamais. Tout à fait. Je vous dis, c'est un critère imparable. Il vous fait de très belles déclarations, ça je suis entièrement d'accord. Et remonte-t-il à la cause ? Non. Pourquoi ? Il ne peut pas ? Sans doute pour quelques raisons. Le fait qu'on le laisse manifester de toutes les manières... Mais évidemment, j'attendais votre observation. Mais c'est évident, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas censuré. Pas le seul. Et puis maintenant, on nous annonce que Bardella, Bardella, Bardella. Mais oui, mais bien sûr. Mais justement, c'est quoi maintenant la légitimité du FN ? Je parlais de ça avec une de mes sœurs qui me dit oui, Marine Le Pen, tu fais quoi ? Marine Le Pen, son parti, il n'y a aucune légitimité, puisque de toutes les manières, ils se sont couchés devant l'Europe. C'est évident. De toutes les manières, voter pour elle ou la droite, ça reviendrait exactement au même. Donc il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus de consistance, c'est pas comme Jean-Marie Le Pen qui est arrivé. Si on, non mais à mon niveau, qui est arrivé quand même en césure au niveau de la politique. Je pense que le livre n'est pas là, mais j'ai commis. Je vais aller chercher. J'ai commis. Un livre où je révèle. Il est là ? Ah oui, mais il est là. Coucou, il est là. Eh bien, ce livre, je m'attendais à avoir des poursuites. J'attends toujours. Là encore, parce que je me basais sur des faits réels, j'ai été cadre du Front National. J'étais le représentant quand j'étais en Belgique. J'ai fait partie du comité, non, du bureau, alors c'était quoi ? Comité central, oui, comité central. Donc je les ai bien connus, j'ai très bien connu Le Pen. Très très bien connu Le Pen. Je lui dis des choses et des choses et des choses dont il n'a jamais voulu tenir compte, dont notamment la nécessité d'une école de cadres, il n'a jamais voulu, etc., etc. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? Non. Non, la FCC poursuit la même politique. Ces gens-là, c'est une famille qui s'est enrichie en... Est-ce que vous avez connu Jean-Pierre Sébouard ? Ah oui, c'était... Je l'ai vu, je crois, une seule fois. Mais par contre, j'ai connu son épouse, qui m'a dit personnellement que son mari avait été assassiné. Ah oui, ah oui, 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 c'est sûr. D'accord. C'était en... Oh là, je ne me rappelle plus quand même, ça fait des lustres, ça. Et donc, de ce côté-là... Alors... Mais non, le problème de la famille Le Pen, c'est qu'ils surfent sur le patriotisme, ils s'en mettent plein les poches. Non, je regrette beaucoup d'être sévère, mais il faut savoir ce que l'on veut. C'est une voie de garage, tout simplement. C'est une voie de garage. Bon, je vois avec grand plaisir que là aussi, vous me rejoignez totalement... Quand on voit ce parti, et notamment avec Bardella, lui qui va... Ils sont pour fournir des armes à l'Ukraine. Donc au détriment des finances des Français. C'est nous qui payons. Or, quel est le but tout de même en général du Front National, le Rassemblement National, défendre l'intérêt des Français ? Où est-il ? Rien. Sur l'avortement ? Pas question d'y revenir. Ils l'ont dit et ils le redisent. C'est l'impasse. Très bien.
Sur ce qui se passe en Israël, en Palestine, à Gaza? Ah, mais apparemment, ça n'a pas l'air de troubler Bardella. Pas du tout, au contraire. Hein? Oh, Israël a le droit de se défendre. Ah oui. Et quel est le premier agresseur? Etc., etc. Alors, franchement, alors certains me diront, oui, mais tout de même, tactiquement, etc., par rapport au pouvoir. Oui, mais je veux bien, mais... Jusqu'à présent, où cela nous a mené? À rien. Donc, je regrette beaucoup. Le seul travail utile que l'on puisse faire pour l'instant, évidemment, il faut parier sur l'avenir. Le seul travail utile, c'est la formation de cadres. Si, par hasard, une révolte populaire mettait à la porte ce pouvoir que nous subissons, si nous n'avons pas les cadres politiquement formés, pour prendre l'affaire en main, ce sera encore pire que quand il y a eu l'expérience de Vichy. Et je ne sais pas si vous savez, bon, je l'ai écrit dans mon livre « Le nationalisme français » que vous avez là, un chapitre sur la leçon de Vichy, où Vichy, plein de bonnes intentions, a dit et fait des choses remarquables. Mais, tout de même, sous l'influence d'un certain nombre d'individus, dont Laval, n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Et j'en donne pour exemple ce qui s'est passé après la traîtrise anglaise de Mercer Kébir, quand toute l'amirauté française avec l'amiral Darlan était pour un renversement d'alliance. Est-ce que vous imaginez ce que cela aurait pu être? Ça modifiait tout. Mais on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Pour quelle raison le maréchal Pétain ne l'a pas voulu? La fraternité de la Première Guerre mondiale avec les anglo-saxons? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à ça, je ne peux que constater. Mais c'était... Et alors, le cas de Darlan m'a toujours intéressé, parce que c'est tout de même quelqu'un qui venait d'une famille de francs-maçons, dont la carrière a été favorisée par son père franc-maçon et par les amis de son père, mais qui, devant les réalités de la guerre et de ce qu'il découvrait, de ce qu'il y avait derrière, a commencé une évolution en fait nationaliste. Bah, sa réaction de dire, bon, maintenant, puisque c'est comme ça, renversement d'alliance. Donc, vous voyez, ce qui avait passionné, ce qui me passionne dans l'étude de l'histoire, c'est de voir pourquoi telle chose, à un moment donné, s'est faite, ou aurait pu se faire, et ne s'est pas faite. Et tout se rejoint. C'est comme un puzzle. Vous avez une première pièce, puis une deuxième, puis une troisième. Et petit à petit, vous avez tout un dessin qui se dessine sous vos yeux. Et vous comprenez ce que veut dire l'ensemble de ce puzzle. En politique, c'est la même chose. En histoire, c'est la même chose. J'ai une autre question. Par rapport aux événements, parce que c'est plus qu'un événement, au massacre de Gaza, en France, il y a eu deux réactions assez fortes. Celle de Mélenchon et celle de Villepin. De Villepin, exactement, j'allais le dire. Qui est vraiment, à mon avis, rentré dans le lard et que j'aime. Ah, pas. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas de fin politique, c'est ce que j'essayais de convaincre mon entourage, lui, parce qu'il me parlait d'élection, etc. Je me dis, si c'est de Villepin qui se présente, c'est sûr que les voix vont aller là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la réaction de Mélenchon, qui, quand même, avec son parti, rentre dans le lard quand même, prend des risques? Est-ce qu'il n'y a vraiment que des fins électorales, sachant qu'au bout, l'élection est truquée de toutes les manières? Parce que de toutes les manières, au bout, s'ils ne veulent pas qu'il soit élu, il ne sera pas élu. C'est comme Macron actuellement. En fait. C'est la question. Ça, je suis tout à fait avec vous. Je pense que c'est électoral. Je pense que c'est électoral parce que cet homme n'a aucune des autres aspects qui pourraient correspondre à notre combat. C'est vraiment ponctuel, ce truc-là, c'est ponctuel.
En plus de ça, je crois me souvenir, mais j'avoue que je n'arrive pas à retrouver sur Internet ce que j'avais vu il y a des années, qu'il aurait dit qu'il était d'origine juive. Ah oui, mais avez-vous un texte à me montrer? Avez-vous un lien à me donner? Oui. Oui, c'est une piste. C'est une piste, oui, effectivement. Tout à fait. Dites-moi, vous êtes de quelle origine? Pourquoi? Parce que vous avez l'air de bien connaître la politique marocaine. Ah, je ne suis pas marocaine. Vous n'êtes pas marocaine? Alors, vous êtes quoi? À côté, en Algérie. Hein? D'Algérie. Vous êtes algérienne? Mes parents qui sont là depuis 1948 en France. Il y a très longtemps. Tout à l'heure, nous sommes venus en taxi. Avec mes collaborateurs, les livres qui étaient dans la valise. Et la conductrice du taxi, visiblement, d'après son type, était d'origine musulmane. Alors, comme toujours, je teste. Pas simplement parce qu'elle me donnait l'impression qu'elle était musulmane, mais je voulais tester. Et j'ai testé justement en partant de la dictature vaccinale. Alors, tout de suite tombé d'accord. Elle avait une liberté d'esprit à ce sujet-là, elle avait compris. Puis de fil en aiguille, de critique en critique, en critique, Macron, etc. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais vous êtes d'origine marocaine, vous êtes musulmane. Il dit, oui, monsieur, mais avec une petite nuance. Je suis kabyle. Oui. Bon, alors, ça veut dire oui, oui et non. Là encore, il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a des Kabyles qui sont bien, il y a des Kabyles qui sont moins bien. Il y a des Arabes qui sont bien, il y a des Arabes qui sont moins bien. Et apparemment, vous êtes un bon exemple. Là, vous m'intéressez. Depuis que vous avez commencé à poser des questions, j'ai apprécié vos questions et je me dis, oh, il y a moyen de faire quelque chose avec cette dame. Donc, je voudrais qu'on continue, parce que ce que vous savez de votre côté, nous, on ne le sait pas nécessairement. J'en sais pas plus que vous, parce que j'apprends beaucoup par vos vidéos, déjà. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que quand une personne me dit qu'elle est kabyle, c'est que déjà, il y a un problème. C'est comme si, à l'étranger, on me disait « je suis breton » plutôt que « je suis français ». Sachant que les indépendantistes kabyles en France sont gérés en général dans le 19e par une association gérée par BHL. Okay. Ah d'accord. Ça, oh, savoir, par BHL. Tout à fait, tout à fait. Donc, bon, alors là, écoutez. Une personne qui me dit qu'elle est kabyle, je reprends, elle dit qu'elle est algérienne. Alors, écoutez, voilà une information qui m'intéresse. Pouvez-vous me donner une référence là-dessus? Alors, pas maintenant, alors, pas maintenant. Alors, je vais la trouver. On me l'a dit et je l'ai revue. Je l'ai revu après dans des journaux. Non, écoutez, soyez gentil. Vous connaissez notre mail? Oui, mais je vais la voir. Vous l'avez. Soyez gentil. Vous m'envoyez les informations qui vous semblent utiles pour le combat. Vous m'envoyez ça, et notamment sur celle de... C'est ça. Ben, c'est comme le monde musulman qui est comme président à certaines jeunes langues. Oui, c'est ça. C'est admirable, ça. Bon, pas d'autres questions? C'est pas une question, mais au sujet de l'Arabie Saoudite, beaucoup, 70-80% de son pétrole est vendu à la Chine maintenant. Il est vendu à la Chine? Ah ouais. Oui, bien sûr. Et le paiement se fait en yens. Non, mais ce qui est intéressant et un peu surprenant tout de même, c'est que la Russie a bien mis la main sur l'Arabie Saoudite et sur aussi les monarchies pétrolières. D'où le voyage de Poutine il n'y a pas longtemps là-bas. Donc, c'est vraiment... Il est extraordinaire, ce bonhomme. Il plante ses petits drapeaux. Là, tac, 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 petit à petit. En fait, il fait le travail contraire de ce que les États-Unis avaient fait en mettant des bases partout. Là, il fait la même chose, mais en sens contraire. Non, tout ce que je peux dire, c'est longue vie à Poutine, et puis que j'espère que sa succession est bien prévue, parce que c'est notre seule possibilité pour survivre un jour. Notre seule possibilité. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions,
intéressante à poser. C'est que vous voulez que je vous dédicace des livres, je crois qu'il y en a suffisamment ici. Voilà, okay, merci à vous. Merci.